Quant au Paris Saint-Germain, en maillot blanc, il a manqué ses débuts au Parc des Princes devant l'équipe de Metz. Pourtant, tout avait bien commencé pour les hommes de Juste Fontaine. À la 30e minute de jeu, M. Mouchotte accorde un pénalty aux Parisiens sur cette faute de génie sur Daleb. Mpelé transforme la sanction en but 1-0. 10 minutes plus tard, sur ce coup franc tiré par Daleb, André aggrave le score pour le Paris Saint-Germain 2-0. Les Parisiens semblaient avoir le match en main, mais une nouvelle fois la défense parisienne va montrer ses faiblesses. Tout d'abord, une minute avant la pause, Nico Braun réduit la marque après avoir résisté à la charge de Boda, 2-1. Peu après le repos, le même Nico Braun égalise pour son équipe après une très belle action de Coustillier relayée par Pérignon. 2 buts partout, le Paris Saint-Germain a frôlé la défaite.